Bonjour à tous et merci de votre présence encore en nombre à ce nouveau rendez-vous géopolitique donc organisé à l'Université Permanente. Alors on parle ici de la Russie et puis cette année l'actualité devrait nous donner plusieurs occasions à nouveau d'essayer de parler, de décrypter ce pays avec lequel on s'inquiète parfois d'avoir à voisiner. Alors cette Russie qui questionne, qui inquiète, elle est régulièrement mise à l'index dans l'actualité internationale pour son attitude face à cette même communauté internationale, marquée les dernières années, notamment par une annexion, vous vous en rappelez, celle de la Crimée en 2014, par son offensive militaire très violente en Syrie. Elle est mise à index aussi par ses offensives médiatiques à l'étranger qui ont influé notamment l'élection de Donald Trump. On a aussi vu des tentatives d'interférence chez nous pendant l'élection présidentielle. Elle est mise à index pour son régime qu'on qualifie de démocrature dans lequel Poutine a installé la Russie. Poutine, ça ne vous a pas échappé, qui vient d'ailleurs d'annoncer, ce qui n'était pas vraiment une surprise, qu'il se représentait à la présidence de la Russie, et une Russie encore mise à l'index par encore sa conception musclée de la liberté de la presse. Alors cette Russie qui questionne, elle polarise aussi la société française et notamment sa classe politique, dont une des lignes de fracture est la confiance que cette classe politique porte ou non dans le Kremlin. Et pour essayer de décrypter cette situation russe, complexe sur bien des plans, j'ai le plaisir donc de recevoir Benoît Vitkine. Vitkine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme ça a été dit, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la rédaction internationale du Monde, plus spécifiquement chargé de la Russie et de l'Europe orientale. Et vous êtes au Monde depuis presque 10 ans et signez très régulièrement des articles, et je peux le dire parce que je suis un de vos lecteurs très assidus, remarquables, des articles que vous publiez quasi quotidiennement dans Le Monde, et pas uniquement sur la Russie, mais également l'Ukraine, le Bélarus ou les Balkans, dont vous êtes également un excellent spécialiste. Et d'ailleurs, dans cette conférence, nous ne parlerons pas seulement de la Russie, mais nous élargirons à la fin aux questions du voisinage. Alors, avant de commencer, Benoît, pour parler de la Russie dans les médias, la Russie, c'est pas un pays comme un autre. Comment est-ce qu'on le couvre en tant que journaliste? Est-ce qu'on peut dire que c'est de plus en plus compliqué? Bonjour à tous. Merci, Ulrich. Alors, pas un pays comme un autre, ça me fait un petit peu tiquer dans le sens où, bon, alors, est-ce qu'il y a un pays qui est comme un autre? Je ne sais pas. Mais surtout, pour dire les choses plus clairement, quand on fait le métier de journaliste, mais je pense que ça s'applique dans toutes les disciplines, on fonctionne avec des méthodes, avec rigueur. Et de ce point de vue-là, la Russie est un pays comme un autre. On traite la Russie comme on traite un autre pays. Il n'y a pas d'exception. Et il y a encore moins, il y a une autre expression qui m'a fait tiquer dans votre présentation, c'est la mise à l'index, je vais y venir. Mais ensuite, nous journalistes français, on a évidemment un regard particulier sur la Russie, parce que c'est un pays qui est proche de nous, avec lequel on a une histoire commune, c'est un pays européen. Là où la Russie n'est pas un pays comme un autre, pour dire les choses plus clairement, c'est un pays qui se mesure à l'Europe, parfois à l'Occident, que ce soit en termes de son fonctionnement intérieur, et plus récemment, mais ça a été le cas à travers les âges aussi, du point de vue de sa politique étrangère. Donc on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de la Russie, tout simplement parce que les Russes eux-mêmes ne se voient pas comme un pays comme les autres. Les Russes eux-mêmes se mesurent, voire se comparent, avec nous, hein, nous qui est large, hein, je le dis, ça peut être l'Europe, ça peut être les États-Unis. Alors, est-ce que c'est de plus en plus compliqué? Là, je vais dire un peu comment moi je travaille. Je ne travaille pas en Russie, je suis basé à Paris, ça m'arrive d'y voyager. Plus souvent encore dans les autres pays de la région, dans les pays qui sont eux-mêmes dans le voisinage de la Russie. Nous avons au Monde une correspondante à Moscou, qui couvre l'essentiel de l'actualité russe, et qui elle est vraiment au contact de cette actualité russe, et au contact, c'est pas facile de travailler là-bas. Je sais pas si on y reviendra ou si je m'étends un peu plus là-dessus. Mais donc voilà, un pays comme un autre, non. Un pays mis à l'index, certainement pas par nous, et simplement un pays dont on pointe parfois les dérives comme on le ferait avec n'importe quel autre pays,
et dont on pointe d'autant plus les dérives, qu'il entend jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale et qu'il se définit lui-même comme un pays européen. Il y a évidemment ce débat en Russie qui existe depuis toujours sur l'identité européenne du pays, mais la branche dominante depuis des siècles et des siècles, c'est tout de même la branche qui dit « nous sommes des Européens ». Donc à cette aune, nous sommes en droit, nous, journalistes, de juger la Russie comme un pays européen, comme on le ferait avec un pays européen. Alors merci Benoît, vous disiez, c'est pas toujours facile pour votre collègue Isabelle Mandron, là, qui est à Moscou, de travailler au quotidien, c'est encore plus compliqué pour les journalistes russes. Il y a eu dans les dernières semaines plusieurs attaques qui ont été perpétrées, notamment sur la rédaction d'Écho de Moscou, dont une des journalistes a été poignardée. La Russie, qui se place au palmarès peu honorable de 148e sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. C'est pas facile pour les journalistes russes, ça dépend lesquels. C'est-à-dire qu'il y a une grosse masse de journalistes. C'est pas très sympathique de ma part, mais il y a certains d'entre eux que moi je n'appellerai pas journalistes, qui sont des petits soldats de l'information, qui sont des communicants, qui sont toutes sortes de choses, mais certainement pas journalistes. Mais donc la grosse masse des médias, en tout cas russes, travaillent sans problème, c'est-à-dire qu'ils, globalement, pour dire ça de façon un peu grossière, ils relaient les lignes, ils relaient les messages qu'on leur dit de relayer, donc à partir de là, eux n'ont pas vraiment de problème. Ensuite, il y a évidemment encore un espace... Pour des médias libres en Russie, il y en a un certain nombre. Alors à la télévision, non. Il y avait une télévision qui était encore indépendante et encore surtout critique, qui est peu à peu reléguée, et de moins en moins visible. Mais pour ce qui est de la radio et encore plus de la presse écrite, il y a une presse libre. Et là, c'est sûr que pour les journalistes qui y exercent, le climat devient de plus en plus difficile. Le cas que vous citiez de cette journaliste d'Écho de Moscou, Tatiana Felgengauer, agressée, il est à la fois difficile à interpréter et en même temps révélateur. Difficile à interpréter parce que, si ce cas ne vous évoque rien, c'est une journaliste qui s'est fait agresser à son bureau par un homme armé d'un couteau. L'homme en question a toutes les caractéristiques du déséquilibré, comme on dit dans ce genre de cas. Ce qui fait, est-ce qu'on peut en tirer de grandes conclusions sur le climat de la liberté de l'expression en Russie? Pas vraiment. Et en même temps, oui, parce que cette journaliste, elle était la cible régulièrement, et encore plus deux semaines avant les faits, de reportages de médias, d'autres médias, donc des médias d'État, des médias de masse dont je parlais, la désignant comme une traître, comme une membre de la cinquième colonne, certainement pas comme une journaliste. Donc un déséquilibré avec un couteau ne peut pas être complètement retranché de ce contexte-là. Et ensuite, juste un mot, parce que je commençais donc sur les journalistes étrangers, pour eux aussi, c'est quand même de plus en plus difficile de travailler en Russie. Ça a toujours été difficile de parler aux dirigeants russes, aux dirigeants au sens large, hein, pas à Vladimir Poutine, oui, mais aussi aux gens de niveau, des différents niveaux inférieurs. Et le climat devient de plus en plus difficile, c'est-à-dire que cette élite assez coupée, qui ne ressent pas la nécessité de la transparence et donc de parler à la presse, le sent encore moins, maintenant de façon déterminée rejette une partie de la presse occidentale. Je pense à mes petits camarades américains par exemple, pour le dire clairement, c'est devenu un peu un enfer pour eux de travailler en Russie, qu'ils aillent à Moscou ou en province, ils sont vus comme des représentants de l'Amérique, donc plutôt des ennemis. Et ensuite les journalistes qui sont installés en Russie ont aussi des pressions, ont aussi des intimidations, ont tous des histoires de visites de leurs appartements à raconter, donc un climat qui n'est pas génial, qui est évidemment beaucoup plus difficile et beaucoup plus menaçant pour les journalistes russes, mais de façon générale, exercer le métier de journaliste en Russie est devenu et devient de plus en plus dur. Alors pour compléter ce tableau du paysage médiatique, il y a un élément important, c'est que la Russie, justement, elle mène une offensive là, en ce moment qui va se traduire en France par l'arrivée d'une nouvelle chaîne, RT, qui est une chaîne financée, contrôlée par le pouvoir et qui va commencer à émettre... Alors, certaines personnes qui commencent à s'inquiéter un petit peu de cette vision, entre guillemets, alternative du monde qui pourrait être diffusée via ce canal, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors deux choses, c'est une offensive récente parce que là il y a le fait saillant de l'arrivée de RT comme télévision sur la TNT.
Enfin, on ne sait pas exactement d'ailleurs par quel canal ce sera diffusé, mais le site RT existait déjà depuis un moment. D'autres médias russes existaient en France depuis un moment. Celui-là, c'est vrai, aura une visibilité bien plus importante. Mais disons que la communication via le biais de médias à destination de l'Occident, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la Russie, et c'est encore moins quelque chose de nouveau si on revient au temps de l'Union soviétique, qui avait une vraie expertise dans ce domaine-là, un vrai savoir-faire, et qui et dont une partie des recettes sont reprises. Alors ce média est contrôlé, financé par l'État, vous avez dit, c'est vrai. C'est pas en soi ce qui est gênant, si jamais il fallait dire quelque chose de gênant. Un certain nombre de pays, tous les pays qui prétendent avoir une diplomatie d'influence forte à travers le monde, ont des médias comme cela à disposition. C'est là où on commence à entrevoir la nuance, c'est que, de fait, RT est à disposition du pouvoir russe. Et le vrai problème, selon moi, le vrai problème, mais là je parle vraiment plus en tant que citoyen qu'autre chose, c'est justement, vous avez dit le gros mot, c'est fait alternatif. On ne sait pas exactement comment qualifier. Le terme de post-vérité est apparu ces dernières années. C'est le fait que c'est un média qui dit avoir un point de vue différent, le point de vue russe, un point de vue que les Occidentaux n'ont pas ou n'osent pas avoir, sous-entendu que les médias occidentaux donc se censureraient, un point de vue très bien, que chacun ait un point de vue. Le problème, c'est que pour avoir un point de vue et donc pour débattre, il faut être d'accord sur les faits. Et c'est là où le bât blesse, c'est que les faits, si on conteste des faits qui nous apparaissent à tous dans une enceinte de discussion commun, admis, on sort du simple champ du débat, du simple champ du point de vue. Et ces chaînes, elles existent déjà hein, en version anglaise. Il y a déjà eu justement à plusieurs reprises des exemples de ces faits complètement non vérifiés qui ont pu être mis en avant par ces canaux. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Alors RT n'est pas la plus la plus perverse dans ce champ-là, puisque il y en a un certain nombre de ces canaux, mais les deux plus connus s'appellent RT, donc anciennement Russia Today, et Sputnik, qui est un canal assez similaire, qui est une espèce de méga agence de presse qui exerce sur Internet des radios, etc., et qui est beaucoup plus à la recherche du sensationnel, du clic, et beaucoup plus outrancier dans le ton, dans la façon de traiter l'info et dans le fond des sujets. Mais RT a déjà été pris en défaut un certain nombre de fois sur des sujets très variés, l'Ukraine, la Syrie en premier lieu. Alors moi je connais beaucoup plus le sujet ukrainien que le sujet syrien, que le sujet syrien. Je ne sais pas si je m'étends là-dessus, on pourra peut-être le refaire plus tard ou dans la discussion que je donne des exemples concrets. Mais oui, c'est beaucoup plus subtil que d'autres médias russes ou que les médias intérieurs russes, mais RT a déjà été pris en défaut. Alors des gens de RT vous expliqueront que les médias aussi, français aussi sont pris en défaut, c'est vrai. Mais est-ce que pris en défaut parce qu'on se trompe, ça arrive, pris en défaut parce qu'on ne cherche pas l'honnêteté à faire son travail de façon sérieuse, il y a une différence. Alors arrivons, si vous voulez bien, à l'actualité politique du moment. Cette actualité, je l'ai rappelé, mais vous le saviez, c'est Vladimir Poutine qui vient d'annoncer une nouvelle candidature, ça sera là. Quatrième, si on compte l'intermède Medvedev. Quel est le sentiment que vous sentez poindre en Russie face à cette annonce? Une bienveillance de la population, une certaine résignation ou un accablement de certains? C'est difficile. Alors, tout est vrai. Un accablement, évidemment, on s'en doute. Les gens qui sont très actifs, qui sont très ou actifs politiquement dans l'opposition sont accablés, quoique pour eux non plus, ça n'est pas une surprise. De la bienveillance, oui aussi, évidemment. Les courbes, les taux de popularité de Poutine qui se maintiennent depuis plusieurs mois, voire années, dans les 80%, c'est pas un secret. Et il y a évidemment une base réelle, donc oui, une bienveillance aussi. Alors une nuance toutefois, moi je suis là encore une fois pas sur le terrain pour sentir ces choses-là qui sont plus de l'ordre du ressenti, puisqu'on n'a pas tellement de canaux pour avoir les vrais sentiments. Les instituts de sociologie sont, là encore, souvent instrumentalisés. Il en restait un ou deux, enfin particulièrement un auquel je pense, qui faisait son travail sérieusement, qui est de plus en plus empêché de travailler. Mais donc voilà, donc moi je ne suis pas là-bas pour sentir précisément les choses, mais
de ce que je sais de la Russie, je dirais que c'est aucune des réponses à vos différentes propositions qui n'est valable. C'est-à-dire que ce qui domine en Russie vis-à-vis du pouvoir, Poutine y compris, c'est une forme d'apathie, une forme de retrait. C'est finalement un champ qui, nous, simples citoyens, ne nous concerne pas vraiment. Ça n'empêche pas qu'on approuve certaines choses, qu'on désapprouve certaines autres. Le soutien à Poutine, c'est pas un soutien aveugle en bloc. Les gens peuvent être mécontents de certains aspects de sa politique, ou alors mécontents de certains aspects de la politique locale, de l'action publique locale, régionale. Ensuite, ils ne font souvent pas le lien avec l'action du président lui-même. C'est un peu des mondes détachés. Tout comme la politique étrangère, par exemple, la candidate d'opposition qui a émergé, Ksenia Sobchak, on va, j'imagine, en reparler, pas un de ses axes de campagne. Je ne pense pas qu'elle va insister tant que ça dessus, parce que ce n'est pas si porteur électoralement, mais un des messages qu'elle dit aux électeurs russes, elle dit « L'annexion de la Crimée et le fait, chers amis, chers concitoyens, que vous viviez mal et que la situation économique soit pas terrible, ça a un lien. » Et ça, pour les Russes, le lien, il n'est pas évident. C'est-à-dire le lien avec les sanctions, le lien avec les dépenses militaires. Donc les Russes ne font pas toujours ce lien-là. Mais je reviens à l'idée sur laquelle j'étais parti, celle avant tout d'une forme d'apathie. C'est-à-dire que votre monde de la politique, on n'est pas dupe. On voit ça souvent comme un monde de cyniques. On fait semblant d'adhérer quand il faut faire semblant d'adhérer, mais après tout, ça ne nous regarde pas tellement. Et une des clés là-dedans, c'est évidemment le mot stabilité, qui est un mot magique en Russie, comme dans toute cette zone, qui a une certaine expérience de ce que peut être l'instabilité. En disant les choses très objectivement, je ne sais pas si c'est le lieu de faire un bilan des 18 année Poutine, on sera à 18 l'année prochaine, donc 4 mandats de... Enfin, il entamera son 4e mandat de président plus 1 de Premier ministre. Donc c'est pas le bilan, mais le fait est que les Russes se souviennent qu'avant l'arrivée de Poutine, il y avait de l'instabilité. Poutine a amené au moins ça, de la stabilité. Alors, c'est moins le cas maintenant, mais bon, je vais m'interrompre, je pense qu'on va continuer sur ce sujet. Ouais, les aînés Yeltsin, c'est le meilleur atout pour que Poutine puisse se prolonger au pouvoir. Oui, le souvenir s'en estompe un peu quand même. Les observateurs un peu plus avertis savent bien que Poutine a bénéficié, notamment durant ses 2 premiers mandats, d'une conjoncture exceptionnelle. Il arrive au pouvoir juste après la crise de 1998 qui a été dévastatrice et qui a été perçue comme l'apogée, le paroxysme du règne des libéraux de Eltsine. De Eltsine d'abord, puis des gens à qui il laissait gérer le pays. Donc c'était vraiment le pire où on en arrivait. Donc ensuite, ça ne pouvait que grimper. Le prix des hydrocarbures, qui lui aussi n'a cessé de grimper. Donc Poutine a eu quand même, faut le dire, la tâche facile, que ce soit pour... sur le plan économique d'abord, pour imposer ensuite la stabilité, il a eu une vraie action en ce sens-là, avec les manques que ça implique. Les observateurs les plus avertis disent Eltsine, dans des conditions comme ça, s'en serait lui aussi sorti, et peut-être que lui aurait diversifié l'économie, l'aurait rendu moins dépendante au pétrole, aurait réussi à ramener l'ordre sans avoir besoin d'introduire une touche de gestion autoritaire. C'est des questions sans réponse. Alors on a parlé de Poutine, on a parlé de Yeltsin, on n'a pas encore parlé de Brejnev. Est-ce qu'il y a une inquiétude d'une forme de brejnevisation du régime? Je crois que Poutine, d'ailleurs, avec ses 18 ans de règne, a déjà dépassé le maître. Est-ce qu'il l'a déjà dépassé? Je ne crois pas. Je pense qu'il les dépassera au cours de ce nouveau mandat s'il est élu. Alors une inquiétude, ce n'est pas le mot, mais oui, il y a des parallèles qu'on peut tirer. Ce qui est plus intéressant, c'est que c'est la fin de Brejnev qui... On peut craindre, effectivement, qu'elle ne préfigure la fin de Poutine. La fin au sens large, c'est-à-dire les dernières années. Brejnev a de plus en plus, dans la fin de son mandat, tiré sur la corde du culte de la personnalité. Mais les gens, comme je le disais tout à l'heure, étaient de moins en moins dupes. C'est vraiment l'époque où l'idéal soviétique, qui était ancré au fond des citoyens soviétiques... il avait déjà commencé à se déliter chez certains d'entre eux, mais c'est vraiment massivement délité. C'est une époque de grande stagnation économique. C'est une époque d'aventure militaire ratée, en l'occurrence avec l'Afghanistan. Alors pour l'instant, du côté de la Fédération de Russie, il n'y a rien de comparable avec l'Afghanistan. Mais
on peut, oui, le parallèle ne paraît pas... et voilà, ce côté, Poutine joue cette corde-là, celle de l'ancienneté. Il a finalement pas énormément à proposer de nouveau à sa population, si ce n'est d'être le père de la nation, protecteur, mais il n'a pas réellement de projet mobilisateur à proposer pour ce nouveau mandat. L'année dernière, il y avait Andrei Gratchev à votre place, l'ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev, et il nous disait, mais la nuance avec aujourd'hui, c'est que par rapport à l'époque brejnevienne, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir il est encore beaucoup plus centralisé dans les mains de Poutine qu'il était dans les mains de Brejnev, autour duquel il y avait quand même un semblant de collégialité. C'est votre avis aussi ? Je pense qu'Andrei Gratchev est plus qualifié que moi pour répondre. Très honnêtement, je n'ai pas en tête assez bien les arcanes de la direction communiste à l'époque de Brejnev. J'aurais du mal à évaluer. En plus, c'est assez émouvant en Russie. C'est-à-dire que là, ces trois dernières années, on a vraiment un Poutine qui est effectivement souverain, maître du jeu. C'était pas le cas avant, donc c'est dur de... La comparaison dépend des périodes. Oui, du temps de Brejnev, il y avait le Politburo derrière, il y avait des gens attentifs, il y avait des clans qui se répartissaient le pouvoir. Et là, c'est vrai que l'idée de clan dans la Russie actuelle, de clan au sein de l'élite, elle existe toujours. Mais c'est vrai que Poutine a quand même vraiment pris le dessus sur eux et s'est imposé au maximum comme leur maître, au minimum comme l'arbitre. Et être l'arbitre entre des clans, on comprend bien que ça permet d'être dans la position dominante et d'être celui qui prend les décisions. Et dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire qu'il reste quand même quelques contre-pouvoirs en Russie aujourd'hui ? Ah, c'est difficile à dire ça comme question. Je dirais que le principal, c'est pas très, c'est pas très précis comme réponse, mais c'est justement cette apathie, ce que j'appelais l'apathie des citoyens russes. Ça, c'est dit de façon négative. Dit de façon plus optimiste, on pourrait dire la résilience des citoyens russes, qui fait qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas complètement dupes. Alors après, ils ont, ceci dit, foncé plutôt tête baissée dans toute l'ambiance qui est apparue ces dernières années de grandes mobilisations nationalistes, voire guerrières. Ça, c'est une sauce qui a vraiment pris. Je pense que même le Kremlin a été étonné que ça ait pris à ce point-là. Mais donc voilà, alors un contre-pouvoir, c'est peut-être un peu fort, mais c'est de fait, c'est à la fois une limite au pouvoir du Kremlin, et en même temps, ça lui laisse les mains complètement libres, puisqu'il n'y a pas grand-chose pour s'opposer à lui. Après, au niveau local, régional, dans chaque ville, vous avez des groupes de pression, c'est pas le mot, mais des groupes d'intérêt, des ONG, qui défendent des revendications très sectorielles, que ce soit liées à l'environnement, liées à la corruption. C'est devenu plus difficile parce que c'est quand même un thème, on comprend, qui n'est pas complètement anodin et qu'on ne peut pas distinguer complètement du niveau fédéral. Vous avez aussi des médias parfois locaux, alors pour eux la situation est encore infiniment plus difficile, mais qui essayent de s'agiter. Et d'autres contre-pouvoirs, l'économie d'une certaine façon, c'est-à-dire que prétendre que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, prétendre qu'on peut être une grande puissance sur le plan international, prétendre que le pays se développe, prétendre qu'on peut peser sur dans des conflits, des crises, y compris de façon militaire, ben, y a un moment la réalité économique vous rattrape. Ça, c'est une forme de contre-pouvoir. Et ensuite, les clans pourraient être des contre-pouvoirs, l'ont été à une époque, notamment, on disait beaucoup, deux clans se détachaient dans l'entourage du président, celui des libéraux, on comprend à peu près, des gens orientés business, assez soucieux de ce que pensent et de ce que pensaient l'Occident, les États-Unis, l'Europe, et face à eux, des gens qu'on appelait les siloviki, qui est un dérivé, un mot russe, évoquant les gens à épaulettes, donc les gens issus des structures de force, ce qui n'empêche pas qu'ils soient eux-mêmes libéraux, puisque ces gens-là sont devenus les nouveaux oligarques, compris des pans entiers de l'économie, voilà, mais qui, eux, comptent avant tout sur la force et la force de contrôle des structures de force, qui sont plus enclins au conflit avec l'Occident. Donc ces clans se sont disputés à une certaine époque, les deuxièmes paraissent plutôt l'avoir emporté. Après, Poutine a toujours été très habile pour jouer l'un contre l'autre, et pour rééquilibrer quand ça l'arrange.
En plus, la Russie, officiellement, c'est une fédération, mais dans les faits, ça ne l'est plus du tout. Hein. La dernière région qui avait un tant soit peu de pouvoir, le Tatarstan, je crois qu'on lui a retiré ses compétences spécifiques. Oui, on a retiré ses compétences spécifiques au Tatarstan. C'est quand même une fédération par certains aspects. Et l'aspect le plus, et c'est un point important d'ailleurs, l'aspect le plus, là où c'est le plus frappant, c'est la Tchétchénie. Où on est presque encore plus que dans une fédération. Donc il y a un président de la République tchétchène, donc là on est quand même, même formellement, hein, constitutionnellement, et c'est pas la seule république, c'est pas le seul président, on est en plein dans une fédération. Et ensuite un président qui a une marge de manœuvre immense, alors qui dépend financièrement de Moscou, mais qui a une marge de liberté immense, voire une marge d'opposition. Il y a eu un épisode qui a stupéfié, y compris les Russes, et qui... ce qui a plus qu'irrité certaines branches du FSB, le FSB c'est les services de sécurité, quand Ramzan Kadyrov, le président de cette République tchétchène, a donné publiquement l'ordre à ses forces de sécurité, puisqu'il a vraiment une armée qui lui est loyale, qui est nombreuse, qui est bien équipée, qui est bien entraînée, de tirer sur les membres des forces de sécurité fédérales qui viendraient à pénétrer sur le territoire de Tchétchénie sans son accord. Donc là, je sors un peu de votre question, parce qu'on n'est plus dans légal, constitutionnel, est-ce qu'on est dans une fédération ou non. Là, on est dans un baron local, dans le cas d'un baron local qui dérape complètement. On ne sait pas très bien ce que pense Poutine de ce danger-là. Pour l'instant, ça l'arrange, mais je pense modestement, mais il y a de quoi en tout cas le préoccuper. Mais ce sera... Kadyrov... On peut imaginer qu'il s'en préoccupe parce qu'il y a une loi qui est encore en cours d'application, qui a été adoptée l'année dernière sur la création d'une garde nationale et qui a été vue comme un moyen pour Poutine de centraliser encore plus de forces en mettant sous ses ordres quasi directs environ, j'espère ne pas dire une bêtise, mais je crois 400 000 hommes du ministère de l'Intérieur, de différentes unités fédérales, et y compris ces hommes qui pour l'instant de fait relèvent de la garde personnelle de Kadyrov. Donc ça a été interprété comme une façon pour Poutine de centraliser du pouvoir, y compris militaire, mais aussi d'essayer d'anticiper d'éventuels problèmes avec Kadyrov. Mais là, on est encore c'est pas encore assez appliqué pour savoir ce que ça peut donner. Alors pour revenir à cette... Oh bah, désolé, ça fonctionne plus. Pour revenir à cette... vous entendez, ouais ? Oui. Ouais, pour revenir à cette candidature de Poutine, est-ce qu'elle a été assortie de grands projets, d'annonces, de grands projets mobilisateurs pour le pays ? Non. Moi, l'annonce, elle m'a stupéfait. C'est-à-dire que je vais me faire plaisir un peu. Poutine était à la place à laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire sur scène, tout simplement, face à des employés d'une usine. Et un employé lui pose, c'était évidemment scénarisé, hein, il ne faut pas fantasmer, mais un employé lui dit « Vladimir Vladimirovitch, est-ce que vous serez candidat ?» Dites-nous enfin, oui, chers amis, je serai candidat. Point final. Alors c'est presque hollywoodien, hollywoodien c'est pas le mot, c'est très occidental, très américain, il y a une musique qui se déclenche à ce moment-là, c'est merveilleux, tout le monde est heureux. Mais point final, c'est assez stupéfiant. Je ne crois pas qu'il y ait une autre candidature de Poutine précédente qui ait pris cette forme-là. C'était toujours fait de façon plus formelle, c'est pas le mot, mais accompagné justement d'un discours de projet, d'un discours mobilisateur. Là, il n'y a pas grand-chose. Et de fait, on se demande bien sur quoi il va faire campagne, c'est un bien grand mot. Moi, ce que je pressens et de ce qu'on sent des derniers axes de communication qui sont mis en avant par le Kremlin, il y a trois choses. Il y a ce côté, oui, Poutine se fait un peu vieux, mais ça n'en est... Bon, alors déjà, on n'insiste pas là-dessus, on ne le montre pas, et lui fait tout pour montrer qu'il est au top de sa forme et de sa jeunesse. Mais il se présente quand même dans la situation du père de la nation, du bon père de la nation, du vieux père de la nation. Ensuite, le Kremlin semble vouloir jouer la proximité. On a vu Poutine récemment s'occuper du cas d'une décharge qui traînait depuis des mois ou des années à Moscou, résoudre le problème. Donc c'est le pouvoir qui va résoudre les problèmes, les petits problèmes de proximité. Et le dernier aspect... c'est quand même l'international ou ce syndrome de la forteresse assiégée qui a existé, en permanence en Union soviétique, qui a été remis au goût du jour et fortement remis au goût du jour par Poutine. Vous voyez à quoi ça fait référence. Ça, c'est les crises au maximum, c'est les crises autour de l'Ukraine, de la Syrie, mais c'est l'idée que
l'Occident, pour ne pas le citer, cherche à nous nuire, voire cherche à nous détruire, voire cherche à s'emparer de notre pays, de son pétrole, de certaines de ses régions. Donc nous, nous nous défendons. Et soyons unis pour se défendre. Et soyez unis derrière moi pour se défendre. Alors, ce... Et d'ailleurs, l'épisode récent autour des Jeux Olympiques, puisqu'il y a trois jours, c'était la veille de l'annonce de la candidature de Poutine, le CIO, le Comité Olympique, a banni la Russie, pas les athlètes russes, mais la Russie en tant que nation des Jeux Olympiques d'hiver qui vont débuter en Corée, va donner une nouvelle motivation à ce discours de la forteresse assiégée. Mais d'une part, ça s'essouffle un peu quand même, ce discours. Simplement pour voir l'Ukraine, qui a quand même été la crise la plus mobilisatrice pour la société russe. L'annexion de la Crimée de façon positive, pour dire nous avons un grand dessein, nous allons tous ensemble, nous avons réalisé quelque chose de grand. Puis le Donbass pour dire nous sommes en guerre, c'est quand même, je vous apprends rien, c'est quelque chose de dire à son peuple nous sommes en guerre. Donc même ce souffle-là ukrainien, il est retombé assez vite. Donc ce grand souffle de la forteresse assiégée, c'est pas si porteur. Et deuxième chose, ça ne fait pas, pour répondre à votre question, un grand projet mobilisateur. On ne parle, alors peut-être que ce sera fait, hein, mais ce sera plus difficile à faire prendre dans la population. Pour l'instant, on ne parle pas de réformer l'économie pour la rendre moins dépendante au pétrole, améliorer les conditions de vie, enfin des choses assez bateaux qui font pas rêver immédiatement aussi, de façon aussi belle que d'annexer la Crimée, mais... Ça, si la campagne allait dans ce sens-là, ça aurait plus de mal à prendre, parce que là, on voit bien que la réalité, quand même, collerait pas tout à fait à ce discours-là. Alors, vous avez parlé de Xenia Sobchak, elle fera partie des personnes qui seront en face de Poutine pour cette élection. Je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets. Il y a aussi Navalny, qui est un opposant de longue date à Vladimir Poutine. Comment expliquer que ces figures de l'opposition manquent d'audience? Est-ce que c'est uniquement par le fait qu'elles soient mises à l'écart des médias classiques? Il faut bien distinguer les deux figures. C'est pas pour je veux pas faire du trop de détails de spécialisme, mais c'est important parce que Xenia Sobchak, elle est candidate à l'élection présidentielle. Alexei Navalny, qui était la vraie figure de l'opposition jusque-là et qui le reste, je pense, ne le sera pas. On lui interdit. Et avant même que ces choses-là se dénouent, Xenia Sobchak, en tant que candidate, a par exemple accès aux médias d'État. Navalny n'avait pas accès aux médias d'État. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Xenia Sobchak, elle est acceptée comme participante à ce jeu, voire à ce show. Ça n'empêche pas qu'elle est une personne très sérieuse, courageuse, compétente, qu'elle a des vraies choses à dire, mais elle est un des éléments du grand show élection. On la laisse faire, voire on la met un peu en avant, au point même que certains, parmi les opposants, ont suspecté, ou l'ont dit ouvertement, que sa candidature ait été soit un truc du Kremlin pour revigorer un peu le débat, donner une apparence de pluralité, et qu'elle-même aurait fait sa candidature uniquement après avoir demandé la permission à Poutine. Je n'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas, mais voilà, c'est ce qui se dit, ça montre un peu l'ambiance quand même. Navalny, c'est autre chose, il est plus en marge. Des gens comme Sobchak, des candidats... laissons un peu Sobchak de côté. Donc Navalny, c'est ce blogueur qui a commencé comme ça, comme blogueur anticorruption, et donc à la tête d'une équipe d'enquêteurs anticorruption diablement efficace en termes de communication, parce que c'est quelqu'un de relativement jeune et qui comprend les codes pour parler surtout aux jeunes, qui a exposé vraiment le plus grave manquement du pouvoir russe actuel, qui est le fait qu'il s'en met plein les poches. Et que c'est compliqué de vendre un discours nationaliste, etc., etc., quand dans le même temps, on pique dans les caisses. Donc Navalny a exposé ça, il a pris petit à petit, à partir des années 2010, une vraie ampleur d'opposant, jusqu'à devenir le principal opposant. Alors, il est empêché de participer, il a des condamnations judiciaires, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas le droit de participer, qui paraissent, on peut le dire sans trop de risque, cousues de fil blanc et complètement farfelues. Son frère est en prison. Et lui n'a pas accès aux médias, c'est évidemment une des explications, voire l'explication principale du fait qu'il a peu d'audience. Alors ensuite, pour rentrer dans le détail, ça tient aussi à lui-même, à son parcours, à sa famille politique. Les démocrates libéraux russes n'ont cessé de se déchirer alors qu'ils font des scores minables. Lui-même a un discours qui est loin d'être
convaincant ou cohérent sur l'ensemble des sujets. On lui renvoie souvent son passé, je ne sais pas si le mot est juste, de sa proximité avec les nationalistes, qui est complètement réel. Et puis, ben voilà, il est jeune, il fait moins sérieux que Poutine. On en revient à ce maître mot, à ce mot-clé, mais qui explique 80% de ce dont on parle, qui est celui de la stabilité. Est-ce qu'on va aller faire confiance à un type qui promet de renverser la table dans un pays qui a justement aussi peur de l'instabilité ? Non, plutôt non. Mais après, oui, le fait est qu'on n'a pas tellement le choix puisqu'on ne le voit pas à la télé. Alors, en toile de fond de cette élection, vous en avez parlé, c'est la situation économique. Hein. Situation économique qui est compliquée parce qu'il y a cette baisse des cours du pétrole, il y a aussi les sanctions européennes. C'est quoi la situation économique réelle de la Russie aujourd'hui ? Et est-ce que ces difficultés pourraient être une épine du pied, justement, pour cette réélection de Poutine ou son nouveau mandat ? La situation, elle n'est pas dramatique. C'est-à-dire que j'ai plus les chiffres en tête, mais 2017 sera par exemple une année de croissance, mais de faible croissance. Qui suffit pas à poursuivre ce qu'on appelle le rattrapage, ou ce qui suffit pas à financer ce terme que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais de diversification de l'économie. Ça reste une économie qui est quasi entièrement dépendante des matières premières, donc ça c'est... ça fait peu d'emplois, ça permet pas un développement génial. Donc voilà, donc oui, c'est une épine dans le... Une très légère croissance qui en fait ressemble à une stagnation. Je ne sais plus si on a dit le mot, et là on en revient, c'était le mot clé de la période Brejnev, on en revient un peu à ça. La Russie stagne économiquement, ce qui fait que y a rien de dramatique, qu'elle ne s'enfonce pas dans la misère ou dans quoi que ce soit, mais ça c'est suffisamment grave pour être, oui, une vraie épine dans le pied à quelqu'un qui concourt pour un cinquième mandat, si on inclut celui de Premier ministre. Et en plus, il va falloir financer les dépenses somptuaires qui s'annoncent, avec notamment, après les JO de 2014, cette Coupe du Monde qui s'annonce, oui, l'été prochain. On ne regarde pas la dépense. Tout comme, ça n'est que du foot, ça n'était que des sports d'hiver pour les JO de Sochi, mais c'est des choses d'intérêt national vital, donc au même titre qu'une guerre, on ne regarde pas la dépense, point final. Et alors en plus, il y a un moyen de financement qui est assez simple, qui consiste pour Poutine à dire à ses copains oligarques, toi tu vas financer tel stade, toi tel stade. Donc ça diminue un peu le coût général. Alors après, dans ce qu'on a gagné d'un côté avec cette technique, on le perd de l'autre, puisqu'il y a quand même de l'argent public qui est en jeu, et que les 10 oligarques qui sont impliqués dans ces chantiers, ils trouvent aussi quand même un moyen de gagner un peu d'argent. Je suis pas du tout capable de tirer un bilan de est-ce que la Coupe du Monde va être un désastre financier ou pas. Mais oui, ça n'arrange pas la situation. Je me rends pas compte à quel point ça va peser fortement ou pas. Et face à tout ça, comment vous la caractérisez, un élément qui peut être important pour comprendre la situation, la jeunesse en Russie, est-ce qu'elle est bien formée, impliquée, connectée aussi au monde ? C'est dur à dire pour une raison simple, c'est qu'elle est diverse et dans un pays qui est très divers lui aussi, enfin qui est vaste, excusez-moi pour la platitude, même dire une jeunesse des grandes villes et une jeunesse des zones rurales, même ça ce serait caricatural, mais si jamais il fallait réduire à ça, oui, la jeunesse des villes, enfin une partie de la jeunesse des villes, elle est encore plutôt bien éduquée. Le niveau de l'éducation baisse un peu, mais ça reste évidemment une des forces quand même de la Russie traditionnellement. Connectée évidemment énormément, les Russes sont bons en technologie, ça les intéresse. Cultivé, impliqué, oui, mais ça dépend en quoi. Il y a des expos, des conférences, des événements culturels, artistiques qui sont organisés sans cesse à Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres grandes villes qui drainent des nombres de jeunes hallucinants. On verrait même cette salle qui est de façon très impressionnante bien remplie, elle ne pallierait pas à côté de ce qui se passe à Moscou. Il y a un vrai dynamisme culturel, évidemment. Les jeunes ont soif de ce genre de choses. Ensuite, donc, ça dépend quelle implication. Impliqué dans le politique, c'est autre chose. Il y a eu des grandes manifestations après la réélection qui étaient jugées frauduleuses
de Poutine en 2011-12 avec aussi les législatives, des manifestations importantes, notamment autour de cette personne de Navalny, qui ont mobilisé fortement les jeunes. Ça a mobilisé fortement, il ne faut pas avoir de fantasme, ça restait extrêmement minoritaire par rapport aux gens qui avaient voté, tout simplement, il faut s'en rappeler, mais beaucoup de monde. Il y a eu l'émergence d'une génération, et assez vite, en fait, c'est retombé. Et ces gens-là qui avaient cru, qui s'étaient impliqués en politique, tout simplement, à une certaine époque, sont revenus à un train-train quotidien où leur destin à eux compte plus que le destin collectif, parce que on se dit que le destin collectif, il n'y a pas grand-chose à en attendre, un peu un repli sur soi, pour reprendre là encore, pas vraiment la comparaison, mais l'analogie avec la période brejnevienne, un mot qui avait cours à l'époque, c'est l'exil intérieur. L'exil intérieur, ça peut consister à aller dans sa datcha, couper du bois et se couper du monde, mais c'est aussi, surtout, c'est vivre pour soi, pour des choses qui nous intéressent, sa famille, les livres, mais c'est pas tellement se préoccuper de la sphère publique. Donc ce souffle était retombé. Là-dessus, il y a eu récemment une nouvelle vague de manifestations importantes avec des gens encore plus jeunes, quasiment des lycéens. C'était encore une fois Navalny dans la foulée d'un documentaire qu'il avait pu faire sur la corruption de Dimitri Medvedev, le Premier ministre. Ça a été là encore assez massif, donc des gens encore plus jeunes. Et là encore, est-ce que deviendra cette génération, ce souffle, on n'en sait rien. Voilà. Et pour finir, donc, cette dichotomie entre cette jeunesse quand même impliquée et le reste de la jeunesse, il y a aussi toute une partie de la jeunesse dans des petites villes, dans des villages, dans des villes moyennes, lointaines ou isolées, qui est quand même plutôt à la dérive. Il y a tout, il y a évidemment dedans des gens brillants, des gens qui vont à la fac de la grande ville encore à côté, etc., et qui sont capables de faire des choses, mais il y a toute une partie de la jeunesse qui est quand même un peu à la dérive, en recherche à la fois d'argent, parce que la campagne russe ou les petites villes russes, c'est très pauvre, et en recherche de sens. Le fait que la guerre en Ukraine, dans l'Est, donc cette fois dans le Donbass, on va en reparler de l'Ukraine, il y a eu une participation de l'armée russe, il y a eu toute une politique délibérée de la Russie, il y a eu des responsabilités côté ukrainien, mais si on fait de la sociologie et pas ce genre de questionnement géopolitique, il y a eu des milliers de jeunes russes qui ont été se battre là-bas. Ça a un lien avec ce que je viens de dire sur cette jeunesse qui sait pas trop où elle va, en quête de sens, en quête d'argent, parce que c'était aussi un moyen de gagner de l'argent. Donc voilà, c'est une façon de s'impliquer, pour répondre à votre question. Alors on va parler de la Russie dans le contexte international, mais une toute petite question pour boucler ce chapitre. Il y a le pouvoir en Russie qui semblait s'inquiéter d'une chose, on est en 2017, le centenaire de la révolution russe, certains avaient peur que ça suscite des questionnements ou des envies de renouveler ce qui avait pu se passer. Elle a été célébrée dans la plus grande des discrétions, ce centenaire. Hein. Une toute petite chose, vous y allez un peu fort, c'est quand même quelque chose d'important, quand bien même effectivement ça a été... Est-ce que ça a inquiété ? Non, quand même pas. Il n'y avait pas de crainte autour des célébrations, mais il y a une tonalité générale du côté du pouvoir qui est de faire ce qui finalement a été fait, des choses très modestes, de effectivement plutôt passer sous silence, faire des célébrations à minima. Alors il y a plusieurs raisons. Poutine, toujours très inquiet de stabilité, de cohésion sociale, le dit très ouvertement, qu'il ne veut pas raviver de blessures. Il n'aime pas Lénine, par ailleurs, pas pour les raisons qu'on pourrait imaginer de, j'en sais rien, le premier fondateur de la dictature soviétique, mais simplement parce que Lénine a mal construit l'Empire, en quelque sorte, déjà à l'époque de la fondation de l'URSS, je suis désolé, je dévie un peu, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Il y avait déjà, dans les tout débuts de l'Union soviétique, l'opposition entre une ligne Lénine et une ligne Staline sur la question des nationalités. Staline était commissaire aux nationalités, et lui, sa vision, c'était un empire très très intégrateur. Lénine, lui, a formellement, par exemple, dans la Constitution, mis que les sujets de l'empire avaient le droit de se détacher. Alors, aucun des deux n'imaginait que ça pourrait arriver, il n'y avait pas de débat. Mais il avait une vision plus large de l'empire... dans la tête d'un Poutine qui est très attaché à cette idée impérialiste, Lénine est coupable de ça. Mais bon, c'est vraiment qu'un tout petit élément d'explication, voire même pas du tout du lien aux célébrations. C'est tout simplement effectivement la peur de la division sociale et qu'on n'aime pas le mot révolution, comme vous l'avez dit. Oui, c'est quelque chose qui n'attire pas.
Ce qui est plus grave, c'est que les célébrations, c'est un bien grand mot, on pouvait y mettre ce qu'on voulait dans les célébrations, ce qui est, pour le coup, là, je sors un peu de mon rôle de journaliste, mais je pense que, même objectivement, il n'y a pas de danger à dire ça. Ce qui est triste, ce qui est moralement une faute, ce qui est dangereux pour la Russie elle-même, c'est que il n'y a aucune lecture de cette histoire-là, qu'il n'y en a jamais eu promu par l'État, une lecture que ce soit... Alors, des bons aspects, si, ils sont quand même assez souvent mis en avant, et il y a plutôt... c'est pour ça, évidemment, qu'il y a une nostalgie en Russie d'une bonne partie des acquis de la période soviétique, mais, par exemple, les répressions, le goulag, le meurtre de classe sociale entière, le meurtre de nations, d'ethnies entières... Tout ça n'a jamais évidemment été raconté par l'histoire officielle, et la tendance est même inverse, c'est-à-dire que les gens qui vaillamment dans leur coin se battaient pour ça et qu'on laissait tranquille avec leur petite audience, maintenant se prennent un retour de bâton par tous les biais. Ils ont plus de financement, certains sont poursuivis par la justice pour des histoires délirantes. Il y a quelqu'un qui a consacré sa vie à aller creuser les fosses communes en Carélie, a donné des noms à chacun, alors il n'a pas réussi, mais à chacun des morts dans les fosses communes, des répressions des années 30, cet homme-là est en prison, il est en prison avec un procès pour pédophilie sur le dos, parce que sa fille adoptive a une certaine... Je rentre dans le détail, parce que c'est ces détails-là qui quand même montrent, dans leur cynisme, disent aussi quelque chose, parce que sa fille adoptive avait une certaine maladie, donc il devait la photographier régulièrement nue, et ces photos nues voudraient dire qu'il est pédophile, voilà. L'ambiance est plutôt dans ce sens-là que celle de célébration apaisée, pédagogique du passé soviétique. Merci. Alors on va arriver sur cette question de la Russie et le monde. Alors il y a une information qui domine hein, ces aspects, c'était la divine surprise qui a constitué, pour le Kremlin, moins pour d'autres, l'élection de Donald Trump, qui avait un tropisme pro-russe relativement affirmé. Est-ce que l'imprévisibilité du personnage qui s'est manifesté depuis a en quelque sorte douché aussi, en plus du reste du monde, l'enthousiasme du Kremlin ? Oui, l'enthousiasme a été douché, mais c'est pas tant par l'imprévisibilité, c'est un autre point, et auquel les Russes finalement s'attendaient un peu. Hein. Ils étaient évidemment heureux, ils étaient d'abord heureux que Clinton ne gagne pas surtout. Trump, avec ses messages, c'était quand même effectivement une divine surprise, un candidat qui explique qu'il respecte énormément Poutine, et que Poutine n'est pas son grand ami, puisque ça il le niait, mais qu'il le respecte, et que ça devrait être un grand ami. Donc c'était une divine surprise, mais il s'attendait... à ce qui est arrivé, à savoir le fait que Trump n'a pas les mains libres au point de pouvoir renverser la table dans ces questions-là géopolitiques, diplomatiques. Les Russes, dès le début, disaient l'establishment américain... alors les Russes ajoutent parce que l'establishment est russophobe et nous en veut, etc. Mais l'establishment américain empêchera Trump de faire des choses déterminantes dans notre direction. Effectivement, c'est arrivé. Alors ensuite, l'imprévisibilité, elle joue un rôle, c'est-à-dire... Que veut réellement Trump, y compris sur le sujet russe, on ne le sait pas. Mais effectivement, les symptômes sont pour les Russes plutôt graves. Que ce soit le fait que Trump ait les mains liées par cette fameuse enquête russe à Washington, ou bien qu'en fait il n'était pas si pro-russe que ça, de fait, les Russes restent satisfaits sur beaucoup d'aspects. La présidence de Trump... Elle le renforce, elle contribue à faire réussir ce qui était quand même leur grand dessein, à savoir d'être un acteur de premier plan sur la scène internationale, de niveau au moins comparable à celui des États-Unis. De fait, c'est le cas. Et la présidence Trump, avec tous ses... notamment son caractère imprévisible, y contribue. Ensuite, sur certains dossiers vitaux pour les Russes, et je pense à l'Ukraine, ça va pas du tout dans le sens qu'ils auraient espéré. Le département d'État a nommé il y a un an un représentant spécial pour l'Ukraine, qui était un poste qui n'existait pas sous Obama, qui a été choisi parmi les faucons et qui ne veut faire aucune concession aux Russes, qui parle plutôt à la place d'armée, l'armée ukrainienne, rien qui plaise à Moscou. Alors le pouvoir de Trump, ce mandat devrait quand même signer l'affaiblissement au moins relatif des États-Unis sur la scène mondiale. Donc ça doit quand même les satisfaire. Oui, c'est l'affaiblissement, faut voir, et puis faut voir surtout est-ce que les Russes ont
qui réclame. Les Russes ne réclamaient pas de remplacer les États-Unis, mais les Russes réclamaient ce qu'ils appelaient un monde multipolaire, donc que les États-Unis fassent une place à d'autres acteurs, et eux en premier, à leur côté, pour co-gérer les affaires du monde. Donc est-ce que les États-Unis sont encore en mesure de co-gérer quoi que ce soit? Ça, je sais pas, mais oui, quand même. Et est-ce que les Russes ont les épaules pour faire ce qu'ils réclamaient? C'est-à-dire qu'on on le voit par exemple sur le dossier syrien. Le dossier syrien, c'est une réussite militaire, diplomatique, sans aucun doute. Ils ont sauvé le régime Assad. Le régime Assad est non seulement sauvé, mais a repris toute la majeure partie de ce qu'on appelle en Syrie le pays utile. Ils mènent des négociations avec différents groupes, les Russes, qui ont permis de stopper la guerre dans au moins certaines des zones. Ils ont sorti les Américains du jeu, alors qu'ils n'en étaient pas forcément mécontents, hein, les Américains, de ne pas s'occuper encore plus encore de ce dossier-là parmi d'autres. Mais donc tous ces objectifs-là, c'est des succès pour les Russes. Mais là où j'en arrive à ce que je voulais dire sur est-ce qu'ils ont les épaules, est-ce qu'ils ont les épaules pour mener la suite? Est-ce qu'ils ont les épaules pour s'occuper de la Syrie, la reconfigurer, la retransformer et s'attaquer à un truc qui pourrait ressembler à ce qu'ont tenté de faire les États-Unis en Irak? Est-ce qu'ils ont les épaules et l'envie d'endosser un peu le corollaire qui va avec, qui est d'être un des acteurs de la stabilité au Moyen-Orient? Ils aimeraient bien, ils le disent, mais ça demande des épaules, ça demande de l'argent, ça demande de la résilience, c'est pas évident. Surtout qu'il n'y a pas que la Syrie, il y a aussi le Donbass, la Crimée. La Crimée, c'était la région d'Ukraine qui a été annexée, c'était la région la plus pauvre d'Ukraine. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour essayer de la remettre à flot. Comment ça s'est perçu par la population russe qui vit des difficultés économiques que vous avez mentionnées? Je ne saurais pas dire, j'ai jamais rien vu passer disant c'est mal. Et à mon avis, je pense qu'il y a un consensus parce que ce que je vous disais, le côté les fonds, le budget fédéral, il y a un côté un peu abstrait. On ne se dit pas forcément que c'est en moins dans l'assiette, c'est d'ailleurs un peu vrai. Et puis il y a quand même un tel consensus national en Russie sur l'annexion de la Crimée que je vois pas qui pourrait s'amuser à contester même pas l'annexion, là, mais le fait qu'il y ait des investissements. Et les investissements, ils sont pas si massifs. Le gros des investissements, c'est ce pont qui était le serpent de mer depuis des années, qui doit relier la Crimée au continent russe, qui est en phase d'être, qui est en train d'être construit. De l'autre côté, le tourisme, qui est le secteur principal qui fait vivre la Crimée, marche très mal. Mais bon, c'est pas un sujet de politique, c'est pas un sujet de division, en tout cas en Russie. Le tourisme, ça marche tellement mal en Crimée que je crois que le gouvernement russe subventionne hein, les touristes qui veulent aller passer leur séjour là-bas. Hein. J'ai pas en tête, je sais pas s'ils subventionnent ou si... C'est une amie russe qui m'a dit d'accord. Ça la semaine dernière. Ouais, c'est bien possible. À hauteur de 20% apparemment. D'accord, parce que les fonctionnaires qui sont nombreux en Russie étaient très encouragés à aller là-bas, mais je savais pas qu'il y avait des subventions à la clé. Alors vous l'avez dit, il y a une Russie et un Kremlin qui est assez circonspect face aux États-Unis. Quid de la relation face à l'Union européenne actuellement? C'est difficile à dire parce qu'elle est un peu multiforme. De toute façon, les Russes sont en ce moment pas dans une phase, quand je dis en ce moment, c'est vraiment à court terme, pas dans une phase très, très agressive. Ils sont plutôt en train d'essayer d'espérer recoller les morceaux des années précédentes. Donc il n'y a pas de nouveau sujet de contentieux avec l'Union européenne, ils sont déjà assez nombreux comme ça. En plus, les Russes ont toujours eu du mal à cerner l'Union européenne. Ça correspond à quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment, à savoir tout ce qu'on sait, la mise en commun de la souveraineté, la codécision, des choses comme ça. C'est pas complètement leur truc, donc ils ont toujours eu du mal à l'appréhender. À la fois par manque de cette culture-là et par envie de prendre leurs rêves pour des réalités, c'est-à-dire que ça ne leur plaisait pas, donc eux ont toujours préféré parler à des États plutôt qu'à cette structure-là, avec éventuellement en plus l'idée que de pouvoir jouer les États les uns contre les autres, c'est de bonne guerre, hein, c'est assez évident. Donc voilà, après je pense qu'ils ont été, ça ce que tout le monde dit, c'est qu'ils ont été plutôt surpris par la bonne tenue de l'unité européenne sur les sanctions, qui pensaient que ça tiendrait moins fort et moins longtemps. De fait, ça tient, donc ça les embête.
s'ils avaient envie, là je pars un peu dans tous les sens, mais parce que ça m'inspire pas tant que ça, je sais pas pourquoi, l'Union Européenne, mais s'ils avaient envie de nous embêter, on parle beaucoup des Baltes, je pense qu'il y a une bonne part de fantasme là-dessous. Alors les Baltes, c'est vrai que ça permet d'embêter en même temps l'OTAN et de décrédibiliser l'OTAN, qui est beaucoup plus leur ennemi que l'Union Européenne en tant que telle. Mais donc on parle beaucoup des Baltes, y compris sur le volet embêter les Européens. Moi, ça me paraît assez improbable et assez compliqué. En revanche, si jamais ils voulaient vraiment nous embêter et faire que dans le pouvoir de nuisance, les Balkans sont une cible beaucoup plus simple. Ils font tout là-bas pour avoir soit des sources de déstabilisation potentielle, soit des États clients autant que possible, soit même des régions clientes. Par exemple, leur plus fidèle relais dans les Balkans, c'est la Republika Srpska, qui est elle-même cette entité autonome au sein de la Bosnie, qui est la partie en gros serbe dans la fédération bosnienne, et qui est très fidèle à Moscou, et Moscou de temps en temps encourage les petites piques des leaders serbes sur le thème la Bosnie c'est pas notre histoire, on va se séparer, etc. Je m'arrête, je vais un peu trop loin. Alors il y a eu cette divine surprise, en tout cas pour la Russie dont je parlais, avec l'élection de Trump. Une surprise qui était beaucoup moins divine, c'était l'élection d'Emmanuel Macron. On sait que la Russie s'était pas privée d'essayer de lui savonner la planche, notamment en utilisant les canaux médiatiques dont vous avez parlé, hein, Sputnik, Russia Today. Comment est-ce que c'est digéré cette annonce, et comment anticiper les futures relations franco-russes dans ce contexte? Digérer, je sais pas, parce que je pense que l'événement lui-même, il est digéré. Il n'a rien de catastrophique pour les Russes. Je vais y revenir. Mais ce qui n'est sans doute pas digéré, c'est que je pense que les Russes, mais peut-être aussi, c'est peut-être pas les seuls dans le monde et voire en France, ne comprennent vraiment pas ce que peut être un phénomène comme celui d'Emmanuel Macron. C'est si loin de leur culture politique, de leurs préoccupations. Que, à mon avis, ils ont du mal à l'appréhender. Bon, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas capables de travailler avec lui. J'entendais, moi, de la bouche de diplomates russes, on sous-estime parfois ces gestes-là, mais enfin, quoique celui-ci, c'est quand même si assez évident. Les Russes ont énormément apprécié le geste, l'invitation en France de Macron à Poutine, à Versailles. Alors, ça n'empêchait pas Macron de se montrer dur à ce moment-là, de faire des critiques. On se disait, oh là là, le regard de cire, le visage de cire de Poutine à côté. Il n'empêche, cette simple invitation, c'est vu comme quelque chose d'extrêmement amical, d'extrêmement porteur. Ensuite, ce qu'on peut en pronostiquer, pas grand-chose. Il y a quand même, à cette occasion, ils avaient parlé de relancer certaines coopérations. Alors oui, il y a parfois des réalités dans certaines coopérations. Il y a des gens que ça intéresse vraiment, des secteurs que ça porte. Mais c'est quand même, à l'échelle de la grande politique, pas grand-chose. Et en réalité, ils n'ont pas grand-chose de lourd à discuter. Les Français sont assez carrés sur les sanctions. Il n'y a pas tellement de choses vers lesquelles aller vers l'avant. Donc ils ont vu ce geste amical. Ils sont ensuite déçus, j'en sais rien. Ça impliquerait qu'ils attendaient quelque chose de plus par le fait que Macron ne bouge pas beaucoup en attendant sur grand-chose qui les concerne. Donc voilà, donc pas grand-chose. Moi, d'instinct, je dirais que Macron va quand même essayer de faire un peu bouger ces lignes-là, pas au point de casser les sanctions alors que rien n'aurait bougé en Ukraine, mais d'essayer de lancer quand même d'autres canaux de discussion, d'essayer d'être un peu proactif vis-à-vis des Russes en essayant de mettre un peu de côté ce dossier ukrainien qui, de fait, bloque tout. Alors justement, vous faites la transition, parce que j'arrive au bout du temps qui m'est imparti, mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'un pays dont vous êtes aussi spécialiste, justement, c'est l'Ukraine, un pays qui était au cœur de l'actualité, hein, Maïdan en 2013, annexion de la Crimée, 2014, guerre au Donbass, quelques mois plus tard. Comment il va ce pays? On a vu les derniers jours pas mal d'événements politiques assez étonnants se passer là-bas, avec notamment la question de l'ancien président géorgien qui est désormais installé là-bas et qui fait office de figure de l'opposition assez trublionne. Comment caractériser la situation? C'est pas facile, mais si, il y a une métaphore qui me vient pour dire comment va ce pays, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est vraiment, chacun le voit comme il en a, alors pas envie, mais comme ses inclinations le poussent, comme son expérience le pousse, etc. Si on voit le verre à moitié plein, on voit un pays qui,
alors qui déjà, sur le, si on parle du dur, a su quand même résister à l'agression russe. C'est-à-dire qu'il est amputé d'une partie de son territoire. Bon, la Crimée, j'en parle même plus parce que plus personne n'en parle. Il est amputé d'une partie de son territoire dans l'Est, mais c'est une toute petite partie de son territoire et les Russes espéraient bien plus. Les Russes, pour obtenir ce résultat, ont dû envoyer leurs propres hommes. Alors on dit toujours, c'est en 2 semaines, s'ils le voulaient, ils étaient à Kiev. Non, c'est une bêtise. Ils auraient été à Kiev, mais au prix de lourdes pertes, puisque tenir ce tout petit bout de territoire de l'Est, ça s'est fait au prix de vraies pertes côté russe. Donc alors, autant côté ukrainien, quand on explique à sa population qu'on est agressé, qu'on est en guerre, et ce que tout le monde voit de ses propres yeux, on peut vendre, entre guillemets, le fait que, bah oui, nos enfants vont aller mourir à la guerre. Pour côté russe, où cette guerre, on n'était pas censé y être, c'était plus compliqué d'expliquer que 15 000 bonhommes allaient mourir pour aller à Kiev. Mais bref, donc tout ça pour dire que le succès, c'est pas très... Là encore, à moitié vide, à moitié plein. Moi, je vois plutôt un demi-échec pour les Russes, cette opération Donbass. Mais donc voilà, donc côté ukrainien, ils tiennent à peu près la route là-bas. Ils ont à peu près aucun espoir de récupérer à court, moyen, voire long terme ces territoires-là, mais ils s'en sont fait une raison et ça ne les traumatise pas plus que ça, ce qui implique une bonne part de cynisme, hein, dans leur comportement. Faut pas se voiler la face non plus. Ils entretiennent une partie des violences, ils laissent crever une bonne partie de cette population-là. Voilà, donc c'est une part de cynisme. Vers à moitié plein toujours, si on regarde à Kiev, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette fameuse révolution ? Ils en ont quand même fait quelque chose. Ils ont, pour le dire simplement, en 3 ans, plus a été fait en termes de réformes lourdes qu'en 25 ans précédents d'existence de ce pays. En termes de réformes très toutes simples, hein, sur, j'en sais rien, le fonctionnement de la police, le fonctionnement de l'armée, le fonctionnement des finances, des choses comme ça. Aussi quelque chose, une tendance lourde, on a assez parlé, notamment au plus fort de cette guerre, du manque de cohésion nationale ukrainienne, d'idées nationales, d'identité nationale. La révolution elle-même, et encore plus la guerre, a quand même servi à cimenter quelque chose de durable, qui va plus loin que le traditionnel nationalisme ukrainien, de fait, très cantonné à l'ouest, ethnique, folklorique presque, ils ont su créer quelque chose d'autre. Donc voilà, et donc les réformes aussi, ça... Bon, je l'ai dit. Le verre à moitié vide, bon, l'Est, pas besoin d'en parler, il y a toujours une guerre, il y a des gens qui y meurent, c'est pas une guerre très active, elle sert pas à grand-chose, on s'échange des obus de part et d'autre, ça fait mal à la tête, mais ça ne fait absolument pas bouger le front, et à peu près, j'en sais rien, au doigt mouillé, 3, 4 personnes... soldats ukrainiens et civils meurent chaque semaine, parfois plus, parfois moins. Côté d'en face des séparatistes, des troupes, on ne le sait pas, ils ne donnent pas de chiffres. Et vers à moitié vide, côté Kiev, on en a la preuve tous les jours, ça se dégrade. Les réformes, elles sont extrêmement lentes. Elles sont parfois votées, plus difficilement mises en œuvre. Le pouvoir freine des quatre fers. Pour ce qui est le dur du dur, à savoir la réforme de la justice, qui est quelque chose de vital, et ça va évidemment avec la lutte contre la corruption, pas tellement qu'ils s'en mettent plein les poches, il y a sans doute des gens au pouvoir qui s'en mettent plein les poches, mais qu'ils ne savent faire que comme ça. Ce pays se gouverne à travers des réseaux, des schémas un peu gris. Donc à tout assainir, ça veut dire quoi ? Il vous reste un espèce d'État avec des institutions faibles, vous êtes plus grand-chose. Mais bon, enfin, là, je cherche sans doute un peu trop à les excuser, même si c'est pas vraiment le mot, mais... donc oui, ils freinent des cas de fer, ils passent leur temps à se tirer dans les pattes. Le dernier feuilleton du moment, c'est celui de Saakashvili, là, l'ancien président géorgien, qui est une vraie fausse arrestation par Poroshenko, par les forces de l'ordre, mais qu'on sait téléguidé par le pouvoir politique. C'est peu glorieux, ça sent l'abus de pouvoir. Voilà, donc non, la situation est vers à moitié, le verre est à moitié vide, à moitié plein, mais il tend quand même à se vider, et ça la tendance n'est pas géniale. Ancien président Saakashvili, je dis juste pour l'auditoire, qui est l'ancien président géorgien, qui avait été appelé par les autorités ukrainiennes pour être gouverneur d'Odessa, et puis après qui est devenu gênant, à qui on a retiré la nationalité, et dont on essaye de se débarrasser maintenant. Exactement. Voilà. Alors, une dernière question sur l'Ukraine encore. Est-ce que l'Union européenne, l'Occident, continue à appuyer autant qu'ils peuvent ce pays, les efforts de ce pays ? Autant qu'ils peuvent, j'en sais rien.
les Ukrainiens, si on les écoutait eux, il y aurait un plan Marshall pour l'Ukraine, pour les réformes, il y aurait des chars Leclerc pour l'armée ukrainienne, donc non, pas autant qu'ils peuvent. Mais oui, ils appuient, il y a un vrai soutien. Je l'ai dit, par exemple, les sanctions, le fait que le front européen ne se soit pas fissuré, pour les Ukrainiens, c'est important. Alors après, ils ont de plus en plus tendance à regarder ça un peu de haut. Ils font pas seulement que ça les intéresse pas, ils ont évidemment besoin que les sanctions restent en place, mais leur discours, c'est quand même aussi de dire « Vous êtes bien gentils, ça fait 3 ans, voire bientôt 4, que nous, on se bat là-bas, qu'on perd nos hommes, avec nos armes, etc. etc. » Donc on est très content qu'il y ait des sanctions, mais ça vous donne pas un droit moral à nous dire quoi faire sur cette histoire, sur ce front de la guerre. C'est d'abord notre guerre, et en plus, agrémenté du discours, c'est vous qu'on défend. C'est quelque chose qu'on entend plus ou moins bien ici, mais que les Ukrainiens croient vraiment en l'idée qu'ils défendent l'Europe face à l'agression russe. Donc les mauvaises manières parfois des Européens, ils les digèrent évidemment mal. Ensuite, est-ce que l'Europe les soutient assez, beaucoup, je ne sais pas. Sur ce qui est des réformes, la communauté internationale a vraiment un rôle important. C'est-à-dire que, je l'ai dit, ce pouvoir, il est quand même spontanément pas porté à faire des réformes radicales, des choses extrêmement ambitieuses. Et il a 2 aiguillons, c'est sa propre société civile, qui reste extrêmement déterminée, mobilisée, vivace, et qui a des relais, donc qui est vraiment un aiguillon, mais qui ne fonctionne qu'en coopération avec ce 2e aiguillon, qu'est la communauté internationale. Et pas pour les beaux yeux de l'oncle Sam ou de Jean-Claude Juncker, mais l'argent. Dès que les Ukrainiens font vraiment trop de pas de côté ou freinent trop certaines réformes que les Européens, le FMI, les Américains jugent importantes, on suspend les versements. Ça les remet en général dans le droit chemin jusqu'à ce que, quand ils ont reçu l'argent, donc ensuite ils en ont plus besoin jusqu'à la prochaine tranche. Il y a un côté un peu absurde, mais c'est comme ça que ça avance. Eh bien, merci Benoît pour tous ces éclairages sur la Russie et l'Ukraine. On va poursuivre par les questions du public. Juste un petit mot, je crois, pour le public qui voudrait en savoir plus. Vous allez publier un ouvrage sur l'Ukraine prochainement. Je ne sais pas si le public veut en savoir plus, parce que non. Oui, je c'est gentil de le signaler, Ulrich, pour être honnête. Disons plus comment ça s'est passé. J'écris souvent des articles et l'envie m'est venue d'écrire quelque chose d'un peu bizarre, qui est un roman, et encore plus bizarre, un roman policier, mais qui a un lien avec tout ce dont on parle, qui est un roman par lequel je veux raconter un peu cette guerre en Ukraine. C'est un roman qui se passe dans une petite ville de l'est de l'Ukraine, côté ukrainien, sur le front, donc une ville vraiment sur le front, et alors une histoire policière, mais qui permet de raconter un peu à la fois cette guerre et ce que c'est que cette société du Donbass, qui est quelque chose de mystérieux, et que moi, jusqu'à il y a quelques années, je connaissais pas encore, mais que j'ai découvert avec plaisir. Côté ukrainien, juste un mot, ça fait partie un peu des questions sur comment on travaille, qui on est. Côté ukrainien, parce que, par exemple, cette guerre, je l'ai suivie de près, mais depuis déjà 2 ans, je n'ai pas mis les pieds côté séparatiste, côté Donetsk, Lugansk, parce qu'on n'a plus le droit d'y aller. Certains journalistes sont encore admis, mais tous ceux qui ont écrit des choses qui sont jugées déplaisantes sont complètement barrés. Alors autant il y a des pays où on peut essayer ou se permettre de rentrer clandestinement sans le dire aux autorités. Bon, là c'est une zone de guerre, vous avez des barrages tous les 1 km et ne pas avoir le petit laissez-passer, c'est pas bon. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les romans, je vous invite à lire vos articles quasi quotidiennement dans Le Monde. Voilà, on va prendre quelques questions, peut-être 2 ou 3 en même temps, monsieur, là-bas. C'est monsieur et madame. Oui, merci pour... Un quart de seconde, je fais un petit aparté. Pardon, madame. Merci pour cet exposé très intéressant. Vous avez dit tout à l'heure que les Russes sont complètement d'accord avec l'annexion de la Crimée. Hein, et donc, moi, je voudrais savoir quels sont leurs arguments. Et en liaison avec ça, est-ce que les Russes, ils ont la possibilité de s'informer par des médias étrangers? Est-ce que l'accès est complètement libre à ces médias Internet ou télévision étrangère, par exemple? Alors, la Crimée, d'abord... C'est pas tellement les arguments qui font qu'on est pour, c'est un truc qui est vécu comme
vital, c'est pas le mot, mais comme ça vient des tripes, avec effectivement quand même un argument historique, qui est celui de dire la Crimée est russe, point final. Et à ça, alors là, on peut faire le débat sans fin. Il y a 400 ans, la Crimée n'était pas russe. Elle fut turque, elle fut tatare par extension de la présence turque. Elle fut ottomane. Je vais me perdre, je laisse tomber. Et elle fut évidemment dans la Russie impériale, quasiment sans discontinuer jusqu'à 1954, à l'époque de l'Union soviétique, où elle est transférée par Khrouchtchev à la République socialiste d'Ukraine, ce qui était un truc indolore à l'époque, mais qui, bah voilà, s'est révélé avoir des conséquences. Donc est-ce qu'elle est russe ou pas ? Moi, je vais vous dire, ça m'est un peu égal. Du point de vue du droit international, elle est ukrainienne, mais donc voilà, c'est l'argument, c'est comme ça que c'est ressenti par les Russes. Pourquoi est-ce que ça fait autant l'unanimité ? Ben parce que pour ça d'abord, parce qu'ensuite ça a été matraqué comme c'est pas permis à la télévision, et donc on en vient à la deuxième question. Oui, les Russes ont tous les moyens qu'ils veulent de s'informer. Après, ils le font pas, mais c'est pas une façon de leur jeter la pierre. Tout le monde, dans n'importe quelle société, les gens s'informent avant tout en regardant les télévisions nationales, en lisant les journaux les plus disponibles, les plus visibles. Ensuite, il y a la question de la langue. Alors après, il y a des très bons médias indépendants russes, certains qui ont dû s'exiler. Il y a certaines ressources internet qui faisaient un très bon boulot, qui continuent à le faire, mais qui ont dû quitter la Russie, avec des rédactions qui s'installent à Riga, en Lettonie, dans différents endroits. Et ça me fait penser d'ailleurs. Donc, je l'ai dit au début, il y a même la place pour un journalisme indépendant en Russie. Ensuite, c'est quelle diffusion il a, comment est-ce qu'il est traité par les autres. Mais ça m'évoque un autre point sur l'Internet, à quel point tout ça est libre. Oui, l'Internet est libre, mais il est quand même de plus en plus... cette liberté, elle est quand même de plus en plus restreinte. Du fait de la façon dont travaillent les fournisseurs d'accès, de la conservation des données, ce genre de choses. Et même beaucoup plus simplement, il y a de plus en plus de cas de procès, on doit en être à une dizaine, de gens qui sont poursuivis au titre des articles du code pénal sur l'extrémisme, sur l'incitation à la haine, pour des simples retweets ou des republications de posts Facebook. C'est-à-dire que si vous... au fin fond de la Russie, vous republiez un post d'un opposant local qui dit « ce chien de Poutine a annexé la Crimée et les Russes devraient dégager là-bas ». Pourquoi je vais m'enfermer dans un exemple bizarre mais vous avez compris l'idée. Pour ce repost, on peut aller en prison. Monsieur, oui. Bonjour. Pourriez-vous nous dire quelques mots de la vie quotidienne en Russie, de ce qu'on pourrait appeler les petites gens, ces retraités, ces petits salariés? Y a-t-il, comme aux États-Unis, des double jobs, des retraités de 70 ans qui bossent? Oui. Alors là, ça dépend encore beaucoup des endroits. Dans les villages... Il y a beaucoup de villages avec beaucoup de personnes, avec quasiment que des personnes âgées, une forte dominante des femmes, puisque l'espérance de vie est un peu moins haute chez les hommes. Mais dans les deux cas, oui, globalement, les retraités travaillent. Dans les villages, bah, ça consiste, c'est le travail de subsistance. Habiter à la campagne implique de bosser. Et dans les villes, il y a beaucoup énormément de jobs qui sont occupés par les retraités. Le chômage est assez faible, donc il y a besoin de cette main-d'œuvre-là. Et les retraités eux-mêmes ont besoin de ces compléments de revenus. C'est tout, hein, c'est gardien de musée, de parking, ou c'est ce qu'on voit de façon plus évidente dans la rue, c'est aller vendre des champignons marinés à la sortie du métro. Il y a aussi une solidarité générationnelle qui est importante. Autant chez nous, la logique, je sais pas, mais l'ordre des choses, c'est que les retraités aident leurs enfants, souvent, enfin ça arrive. Là, c'est l'inverse, les retraités ont des retraites vraiment trop faibles pour aider qui que ce soit, et leurs enfants les aident. Et sinon, les petites gens en général, ben, c'est difficile à dire. Il y a de tout, mais personne ne meurt de faim. Autant ça a pu arriver dans les années 90, au début des années 90, là c'est pas le cas, du fait des solidarités familiales, locales, etc. Après, il y a beaucoup de gens qui vivent pauvrement.
Il y a aussi cette fameuse classe moyenne qui a émergé. La classe des riches, on n'en parle pas, on commence à la connaître. Voilà. Quand vous dites espérance de vie plus faible pour les hommes, c'est un euphémisme, mais quand même, c'est 64 ans, je crois. Je ne sais plus les derniers chiffres. Moi, j'avais un écart énorme qui était de cet ordre-là, 72 pour les femmes et dans les 60 et quelques pour les hommes. Et récemment, j'avais re-regardé, l'écart s'est réduit. Donc, je me risquerai pas à donner le chiffre, mais il est plus aussi frappant que celui-là. Merci. Je peux te taper un peu de temps. Oui, tiens mon micro. Oui, juste une petite question concernant. Merci, pardon. Concernant le poids de la religion en Russie, puisque on voit qu'elle est quand même assez forte, donc est-ce que ce n'est pas un moyen, vu comme un frein, pour justement propager les idées nouvelles, enfin, et particulièrement même la jeunesse qui semble assez pratiquante, tout ça, ça doit constituer, je pense, un outil favorable pour M. Poutine. C'est difficile comme question, parce qu'elle a... Selon par quel bout on la prend, la réponse ne sera pas la même. Pour commencer, religieuse, c'est-à-dire qu'en termes de pratique religieuse, non, la Russie reste assez bas. La pratique n'est pas très très répandue. Ensuite, en termes d'identité culturelle, oui, l'Église est de plus en plus importante dans l'identité, dans cette promotion des valeurs traditionnelles. C'est d'une certaine façon une façon d'introduire l'Église. Ensuite, d'un point de vue politique, effectivement, l'Église est de plus en plus présente aussi. Il y a une espèce d'alliance entre le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Pas que l'Église, d'ailleurs, notamment sur l'identité, je me rends compte que je suis incomplet. C'est quand même un pays, la Russie, très multinational, donc multireligieux. Et ça s'est toujours plutôt bien passé. Pour l'instant, il y a quelque chose bizarrement, paradoxalement, ne pose pas de problème, mais pourrait en poser un, parce qu'il y a de fait un paradoxe, c'est la mise en avant très forte du caractère, par Poutine par exemple, il en parle beaucoup, Poutine, du caractère multinational, multireligieux du pays, comme une force, comme une preuve que la Russie est un pays qui fonctionne bien, etc., etc. Et dans le même temps, le président russe appuie de plus en plus sur l'identité chrétienne. Donc c'est un paradoxe qui, pour l'instant, se passe de façon assez douce, mais c'est un paradoxe. Ensuite, est-ce que l'Église est un frein dans l'apparition de courants démocrates? Je sais pas, je pense qu'il y en a d'autres. L'Église n'est pas une force de progrès, parce qu'elle est traditionnellement très conservatrice, un clergé assez peu éduqué, et parce que surtout elle est main dans la main avec le pouvoir. Il y a récemment eu quand même... on a parlé... Enfin, je vais faire une petite parenthèse, je suis désolé parce qu'on en était aux questions y a des gens qui ont envie de poser des questions, mais j'ai eu sans doute une présentation assez sombre de la Russie, de tout ce dont on a discuté. C'est pas par passion, c'est vraiment une déformation professionnelle, c'est que notre métier nous pousse à parler de ce qui ne va pas. Albert Londres disait « porter la plume dans la plaie », une très belle expression, « porter la plume dans la plaie ». Donc on parle de ce qu'on ne va pas. J'en reviens un peu à la première question, est-ce que c'est dur de traiter de la Russie? On est dans un pays où il y a une vraie russophilie, avec des imaginaires qui entrent pas en collision, mais qui se côtoient, celui de la Russie soviétique, qui parle à beaucoup de gens évidemment, celui de la Russie impériale, chrétienne, les bulbes dorés, c'est un imaginaire qui crée un attachement, un imaginaire culturel très proche, les écrivains russes, la culture russe... Qui irrigue notre société. Et à l'inverse, moi ou mes collègues, on est souvent accusés de russophobie. Et je pense à ça parce que je me rends compte que j'ai cette présentation de fait un peu sombre, mais que tout simplement on parle de ce qui ne va pas. Quand mes amis camarades politiques écrivent sur le mandat de François Hollande, c'était pas très reluisant non plus. Bon, c'est pas de la néerlandophobie. C'était audacieux. Et promis, c'est la première fois que je l'ai fait. Donc tout ça pour dire, je faisais cette parenthèse parce que je m'apprêtais toujours donc sur l'Église et l'État à citer un exemple qui, pour moi, là, on atteint des sommets de cynisme dans les choses qui ne vont pas, qui est la remise au goût du jour il n'y a pas plus d'une semaine
d'un mythe qui existe depuis des décennies en Russie, qui est celui d'un meurtre rituel s'agissant de l'assassinat de la famille impériale en 1918 à Yekaterinbourg. Alors, meurtre rituel, c'est un langage, enfin, codé, non, même pas, quoi. Ça évoque, en Occident, à 90% et à 100% en Russie, un meurtre rituel commis par des juifs. C'est une idée selon laquelle les juifs tuent les petits-enfants chrétiens pour prendre leur sang et faire le boire, faire du pain azim avec. Voilà, c'est une. Dans l'histoire russe, c'est des accusations qui ont existé, qui ont parfois mené à des pogroms. Et donc, il y a une semaine, le même jour, un très haut représentant du patriarcat de l'Église orthodoxe, du patriarcat de Moscou, et une très haute représentante du comité d'enquête, qui est un bras semi-judiciaire, semi-politique, une institution très importante, ont tous les deux remis au goût du jour cette thèse. Le religieux en disant « nous avons une commission d'enquête sur le sujet », et beaucoup d'entre nous au sein de cette commission regardent avec beaucoup de sérieux cette hypothèse, et la personne issue du bras judiciaire disant « nous enquêtons sur ce sujet, nous n'excluons rien, l'état des corps peut nous faire penser que, bref, le meurtre rituel est possible ». Alors les deux sont suffisamment malins pour ne pas dire meurtre, pour ne pas dire le mot juif, donc les défenseurs de la Russie, enfin les défenseurs de la Russie, là encore c'est un terme un peu absurde, des gens de mauvaise foi, y compris en France, vont vous expliquer que « mais comment ?» comment pouvez-vous penser qu'il voulait dire juif ? Le mot est codé. S'agissant de ces événements précis concernant la famille impériale, quand on fait référence au meurtre rituel, c'est le meurtre rituel commis par des juifs et rien d'autre, puisque la personne qui les a exécutés s'appelait Yakov quelque chose, agissant sur ordre de du bolchevique Yakov Sverdlovsk. Donc le clin d'œil est complètement clair. Voilà, un petit, ça ne résume pas tout ce que dit ou tout ce que fait l'Église orthodoxe, ni encore moins tout ce que dit ou tout ce que fait l'État russe, mais un exemple de coopération qui ne va pas dans le sens des forces du progrès. Désolé pour ce long aparté, on peut reprendre les questions. Oui, je te laisse faire, pardon. Vous avez l'air optimiste quant au risque d'invasion de la Russie sur les pays baltes. Et pourtant, l'OTAN se renforce régulièrement, la France même participe à ces renforcements aux frontières de ces pays-là. Donc il y a quand même un risque, qui est un risque peut-être calculé, mais il y a un risque quand même. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît ? Ben, les Russes vous répondraient, il faut parfois un peu les écouter. Là. On n'a pas eu trop le temps de se mettre dans l'esprit des dirigeants russes. Vous répondrez que qu'est-ce qui renforce le risque, si ce n'est le fait que les Occidentaux et nous, Français y compris, envoyons des piou-piou sur la frontière balte, tout comme ils vous disent que, oui, leur politique un peu de ressentiment vis-à-vis de l'OTAN, ça vient de la politique agressive de l'OTAN. Là encore, ça vaut le coup peut-être d'en discuter plus, mais il y a des choses qui se défendent du point de vue russe. Ensuite, est-ce que le fait que l'OTAN prenne au sérieux cette question veut dire que le risque est réel ? Oui et non. L'OTAN sait ce qu'il fait, donc il considère que c'est une zone de tension. De fait, ça l'est. Pour moi, le message, il est d'abord politique, qui est l'OTAN est unie, il n'y a pas de sous-membres de l'OTAN, les Baltes en font partie. C'est d'abord ça. Je dirais d'invasion. Les faits les plus récents qui concernent les Baltes, c'est des déstabilisations d'un autre ordre. C'est les survols aériens, c'est les violations donc de l'espace aérien, de l'espace maritime. Il y a eu concernant l'Estonie il y a 2 ans quelque chose qui n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais qui est intéressant, l'enlèvement d'un agent des services de sécurité estoniens. Alors selon les Russes côté russe de la frontière, selon les Estoniens côté estonien. Les Estoniens étaient assez, disaient pas tout dans cette histoire, donc on peut les suspecter de cacher des choses, et c'est normal, c'est une histoire de service de sécurité, de service secret, mais les faits avaient quand même l'air de montrer que c'était bien côté estonien. Est-ce qu'on n'est pas, dans l'OTAN, il y a quelque chose qui s'appelle l'article 5, qui est, en cas d'agression, tous les pays sont solidaires. Est-ce que c'est pas une agression, un enlèvement côté estonien ? Évidemment que les autres pays de l'OTAN n'ont pas envie de commencer à aller scoltiner les Russes dans toute la Baltique à cause d'un agent qui s'est fait arrêter. Donc évidemment qu'on ne va pas plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que les façons
tester l'OTAN, de le titiller, voire de provoquer. Côté russe, c'est des choses qui ressembleraient plus à ça qu'à un conflit armé où on aurait absolument besoin de nos 300 soldats français, là, en ce moment, en Estonie, pour aller tenir la ligne Maginot. Oui, bonjour. J'ai une question qui me préoccupe. Je vais la dire d'abord d'une façon politiquement incorrecte. Je vois pas où c'est. Puis après, j'essaierai de m'amender. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Oui, pardon. Ah, oh, pardon, monsieur, vous étiez debout même. Donc, oui. Est-ce qu'il y a un gène de la démocratie dans le patrimoine génétique russe ? Ça, c'est la question pas très correcte. Et la façon correcte, y a-t-il un espoir pour la démocratie en Russie, après Poutine, par exemple ? C'est très peu politiquement correct. Je vais essayer d'y répondre. C'est pas filmé, donc ça va. Je vais essayer d'y répondre, mais d'abord, quand je voudrais réagir sur la deuxième partie de la question sur l'espoir pour la démocratie. Sans doute oui, et je vais essayer d'y répondre en parlant du code génétique russe. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les Russes eux-mêmes, soit une bonne partie des citoyens, soit le pouvoir politique, ne sont pas du tout à dire « nous ne sommes pas en démocratie », mais comment dire, disons que la notion d'espoir pour la démocratie leur parle de moins en moins. C'est-à-dire que les Russes sont de moins en moins gênés de dire « votre système politique, que vous présentez comme démocratique mais qui ne l'est pas complètement, le nôtre l'est aussi, nous intéresse de moins en moins ». Et ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau à l'échelle de la Russie post-soviétique. C'est-à-dire que le fait de dire vraiment « votre modèle, ça n'est pas le nôtre », notre part autoritaire, nous l'assumons, notre part très conservatrice, nous l'assumons, et nous sommes même, notre modèle est beaucoup plus vendeur pour l'Europe, alors pour l'humanité, pas encore, mais pour l'Europe que le vôtre, et ça consiste, ça rejoint les alliances avec certains partis d'extrême droite européens, philosophiquement, ça revient à dire votre modèle ne nous intéresse plus. Donc les Russes eux-mêmes, donc la notion d'espoir pour la démocratie en Russie, elle est très, en l'occurrence, franco-centrée. Ensuite, est-ce que la notion, le gène de la démocratie, j'aurais vraiment du mal à dire. Il y a évidemment des siècles d'expérience qui plaident, pas en faveur d'eux, mais qui démontrent que la Russie, la Russie, oui, n'a pas d'expérience démocratique longue. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire qu'elle en est incapable ? Là, je vais aligner les platitudes, mais oui, c'est un grand pays. C'est un des peuples pas faciles, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Il n'y a pas de culture de la participation politique. Il y a assez peu de culture du débat démocratique. Donc oui, on est loin d'une démocratie à l'occidentale. Pour arrêter de tourner autour du pot, on est très loin de ça. L'expérience ne va pas dans ce sens-là. Après, pour parler de gènes, non, moi je n'y crois pas une seule seconde. Est-ce que chez les barbares visigoths ou les barbares teutoniques, il y avait le gène de la démocratie ? Bon, bah, Angela Merkel est arrivée ensuite. C'est pas ce que je voulais dire. Donc je pense on a le droit d'être peu politiquement correct, mais effectivement, vous poseriez votre question à un démocrate russe avec tout le courage que demande son combat, elle le ferait pas rire, votre question, parce que, bah oui, lui, il pense qu'il n'y a pas de problème de gène russe, et que lui, non seulement est prêt à la démocratie, mais en ressent le besoin impérieux, et est convaincu que son voisin de palier, qui peut-être pour l'instant s'en fout, est tout à fait prêt à un régime différent, oui. On oublie peut-être trop aussi l'association que font la plupart des Russes à le concept de démocratie, à la catastrophe économique qu'ils ont vécue dans les années 90. C'est vrai. C'est synonyme. C'est vrai que le libéralisme avant tout, mais aussi la démocratie. Ouais. Démocratie en russe se dit demokratia, et il y a un dérivé péjoratif qui est devenu merdokratia. On comprend. Je dis une bêtise, pardon, diermocratia, mais qui veut dire la même chose. J'ai été abusé par la version française. Et tout ça, pardon, oui, vient des années 90, du désastre économique, politique. Oui, bonjour. Oui, je reviens en question internationale à l'actualité d'aujourd'hui. Où en est la Russie par rapport au Moyen-Orient ? Et est-ce que la position de Trump par rapport à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël peut faire bouger les lignes pour la Russie ?
Voilà, quel rôle peut-elle jouer actuellement dans la crise d'aujourd'hui ? Dans la crise israélo-palestinienne, je ne sais pas. Et alors là, je suis un peu pris en défaut parce que je n'ai pas regardé les réactions officielles du ministère des Affaires étrangères russe à la dernière initiative de Trump. A priori, c'est sans surprise. Hein, c'est-à-dire qu'il n'approuve pas, qu'il pense que c'est une source de déstabilisation. Enfin, là-dessus, ils sont vraiment à l'unisson de l'ensemble du reste de la planète. Est-ce que ça leur laisse une marge de manœuvre autre ? Enfin, supplémentaire, je pense pas que... Potentiellement, oui, mais je pense pas que ce soit... que ça colle, parce qu'ils ont tout simplement pas envie de se coltiner le dossier israélo-palestinien, qui est pas très porteur politiquement. Bah oui, s'ils arrivaient à faire la paix en Palestine, tout le monde leur en serait reconnaissant, et ce serait un gros atout, mais le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle, donc je pense pas vraiment qu'ils aient d'ambition plus importante que ça. Leur diplomatie a quand même été tout... Enfin, pas celle d'un équilibre. Il y a évidemment des périodes pro-arabes, d'autres pro-israéliennes, mais ils ont, dans les conflits actuels, ils sont quand même très... Ils essayent vraiment de jouer beaucoup d'équilibre. Chiites, sunnites, turcs, saoudiens... Enfin voilà, donc je pense pas qu'ils aient envie de tellement s'engouffrer dans toutes les brèches qui s'ouvrent. Ils ont déjà finalement assez à faire en Syrie. Ils sont partie prenante, hein. Il y en a un habitant sur 7 en Israël qui est d'origine russe. Alors j'ignorais le chiffre. Ouais. Je pense pas russe, à mon avis soviétique. Ouais, enfin post-soviétique, donc, parce qu'il y aura aussi un paquet d'Ukrainiens, de Moldaves, de gens d'un peu partout. Est-ce que ça les rend partie prenante ? Oui, de fait un peu. Si on écoutait quand même le discours officiel russe, notamment dans le cas de l'Ukraine, mais pas seulement, dans tout son voisinage proche, ça concerne aussi le Kazakhstan, la Moldavie, la Biélorussie, qui est toute personne... Russo, au début c'était russe, mais désormais russophone, est un concitoyen sur lequel la Russie a un devoir de protection et un droit de regard. Partout où il y a un russe, c'est la Russie, je crois que c'était ça. Non, alors je ne sais plus de qui est cette citation. C'est pas Poutine, je crois pas. On avait parlé. D'accord. Je pense que c'était plus une boutade, mais oui, la Russie a une loi, par exemple, très claire sur les compatriotes. Qui dit que et compatriote russe, c'est un statut sans conséquences légales, hein, mais compatriote russe, quiconque se sent des attaches avec la Russie et a au moins un ancêtre russe. Donc un petit enfant de aux yeux des autorités russes, un petit enfant d'une grand-mère russe blanche émigrée est un compatriote russe. Donc un Israélien est un russe qui s'ignore. On va prendre deux dernières questions, s'il y en a. Oui, monsieur. Bonjour. Comment voyez-vous les perspectives de la Russie dans une ère post-pétrole, post-énergie fossile et avec une démographie en berne ? Moi qui m'en voulais d'avoir fait une présentation sombre, vous êtes un pouce au crime. Mais par rapport aux derniers intervenants sur la Russie, je vous rassure, vous êtes dans le ton. D'accord. Non, bah, vous avez tout dit. Hein. L'économie a quand même peu d'autres domaines d'excellence, on va dire. Il y a le militaire, il y a une envie très forte d'être très bon sur certaines technologies. Enfin, il y a une tradition de compétences énorme sur certaines technologies de pointe. Ils voudraient désormais être particulièrement bons sur les nanotechnologies. Il y a des plans en ce sens-là. Il y a des terres agricoles qui sont quand même valables. Parce que l'époque que vous mentionnez, peut-être que le réchauffement aura fait que que les grandes terres russes non arables le seront devenues, donc les cartes seront rebattues intégralement. Mais oui, les perspectives sont ça. Dans ce sens-là, les perspectives de long terme sont pas bonnes. Est-ce que l'ère post-pétrole, moi j'en sais rien quand est-ce qu'elle arrivera, mais le jour où les Russes ne vendront plus de pétrole, ce sera compliqué pour eux. Et la démographie, c'est évidemment un handicap énorme de la Russie. Les Russes eux-mêmes en sont conscients et ça les amuse pas d'avoir les Chinois à côté d'eux. Et les autorités russes en sont conscientes et essayent un peu de redresser la barre. Merci. Si je puis me permettre cette comparaison.
Tu veux le... la question sur les... Alors, bah non, ça serait... Ok, très bien. On va prendre une dernière question. C'est la une. Ou autrement, on va vous remercier de votre attention. Et puis remercier... Merci beaucoup. Benoît. Thank you.